David, bonjour, ici Guy de la Fortelle avec un message urgent. On est mercredi matin, 8 janvier, à peu près 9 h, au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors je suis désolé, c'est fait avec mon téléphone dans la cabine téléphonique de mon bureau. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de lumière, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'enregistre cette vidéo parce que vous avez en ce moment même l'investissement absolument inratable de ce début d'année 2020. Probablement même de toute l'année 2020, on verra bien. Vous avez une conjonction de trois tendances de court, moyen et long terme. Bon, si vous voulez la rater, vous faites comme vous voulez. Mais ça fait à peu près plus d'une semaine que je vous alerte sur le sujet. J'ai commencé le 1er janvier, par 1er janvier, hein, avec un email que j'ai appelé, c'était alerte haussière dans les somnolences digestives. Alors, tout le monde est un peu en train de digérer, c'est un peu passé inaperçu, où je vous disais d'acheter de l'or. Alors, je sais que je dis souvent d'acheter de l'or, donc peut-être que vous en avez marre, mais là, je vous disais non, vraiment, là, maintenant, ça repart, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, et parce qu'il y a effectivement une tendance haussière de long terme de l'or qui fait qu'effectivement, je vous en parle régulièrement. En plus de cette tendance haussière, il y avait une tendance de long terme et une tendance de moyen terme qui se dessine sur un retour à la hausse de l'or, et en plus. Quelques jours après, vous avez eu cet assassinat de Soleimani, ce général iranien, qui fait que vous avez une tendance de court terme qui est haussière sur l'or. Vous avez trois tendances qui sont en train de se conjuguer. L'or est en train de partir, il a pris 100 euros depuis que je vous ai envoyé cet email. Alors bon, je comprends, vous digériez, je digérais, tout le monde digérait. Maintenant, on y est. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez l'or, vous n'aimez pas l'or. D'accord, c'est comme vous voulez, je comprends, je ne suis pas particulièrement fan de l'or, je sais que vous en parlez souvent, mais je vous en parle souvent parce que en ce moment, il n'y a pas grand-chose de mieux que l'or. Moi, je rêverais de vous proposer d'investir dans le CAC 40 si le CAC 40 c'était mieux. Moi, je préférerais investir dans une entreprise, hein, mais en ce moment, il ne faut pas investir en bourse, il ne faut pas investir dans le CAC 40 aujourd'hui, il ne faut pas investir dans le S&P 500 aujourd'hui. Il ne faut pas aller chercher des unités de compte, à part quelques-unes, mais la plupart des unités de compte de vos assurances-vie, il ne faut pas y aller. Il y a un truc, c'est très très simple. C'est l'or, ça marche, et vous avez les tendances qui sont là. Et je vous préviens. Alors faites-le. Si vous ne savez pas comment faire, vous savez quoi? Je vous explique. J'ai travaillé comme un dingue sur ce sujet. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Mais faites-le. Achetez de l'or, je vous en prie. Tout le monde se plaint d'avoir des fonds euros qui ne rapportent plus rien. Alors l'or est volatile, je suis d'accord. Mais dans le genre rock solide et dans le truc que vous êtes sûr de pouvoir avoir encore dans 20 ans, c'est bien votre or. Hein, autant des actions, vous ne savez pas où elles seront. Autant votre assurance vie, vous ne savez pas où elle sera, mais votre or, en tout cas s'il est physique, vous l'aurez. Donc, à 20 ans, à 1 an et à 1 mois, ça vaut le coup. Alors vous savez quoi? S'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant. Alors lisez la présentation ci-dessous, hein, je vous dis absolument tout ce qu'il faut pour le faire, et puis ben, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Excusez-moi, mais il fallait que j'enregistre parce que là, c'est des trucs, ça se présente peut-être une fois par an ou tous les 2-3 ans, un truc comme ça. Allez, à bientôt, c'était Guy de la Fortelle.